Salut bande de pédoncules, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, hein, donc du dessin de Pokémon. Et donc on va procéder tout de suite au tirage au sort. On mélange. C'est des molos. C'est le chien, des molos. C'est parti! Voilà, ce dessin est à présent terminé. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a déplu. N'hésitez pas à partager, c'est super important. J'ai un lien pour une boutique si vous voulez acheter les dessins que je réalise lors de ces émissions. En tout cas, je parle des originaux, voilà, c'est toujours très important. N'hésitez pas également, si vous voulez proposer de Pokémon, à suivre les instructions dans la description. Donc, c'est toujours rappelé comment ça marche. À part ça, ben, je pense que tout est dit. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, journée, après-midi, ou quel que soit le moment de la journée pour regarder ça. Maintenant, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, bande de pédoncules! Alors en fait, il y en a qui vont peut-être être déçus parce que bon, j'ai marqué ornithorynque comme ça, tout ça, c'est pas vraiment un canard. Même si d'ailleurs son museau rappelle le bec. Non, en fait, la vanne, j'explique parce que je suis pas sûr qu'elles soient bien comprises. C'est parce qu'en fait, des molos, sur le principe, quand il mord quelqu'un, normalement, ben, en fait, ça cicatrise pas, en fait. Ça fait super mal, voilà, très longtemps. Ce que j'avais retenu du Pokémon, en fait, notamment à ce niveau-là. Et il se trouve que l'ornithorynque mâle, entre autres choses de particularité qu'il a un dard et dans lequel il peut véhiculer un venin qui va justement causer pendant, je crois que c'est 6 mois, mais je suis même pas sûr, mais pendant longtemps, une douleur qui ne peut pas être calmée, en fait. Et ça te rend dingue. Et en fait, voilà, j'ai mis beaucoup de parallèles. Bon, oui, je suis allé un peu loin dans le titre. Bon, bah, au moins, j'ai pas fait une référence à Noob avec le chien of the Deaf ou un truc comme ça, mais bon. Mes excuses aux familles. Tout ça, tout ça.